Hey, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Ah, petite fille, ça va? Oui, ça va, et toi? Comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà. Comme tu es nouvelle ici, dans la cour, je suis venu te dire que nous avons beaucoup de conditions. Mais là, je te dis, parle de nos certaines conditions. Ok, je vous écoute, monsieur. Voilà. Pour le tirage des eaux de la douche, là. Mm-hmm. Ici, on le fait à partir du 21h. Et ça se fait partout. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ne dors pas tôt. Quoi? Je ne vous comprends pas, monsieur. Il y a Anna. Ta femme me bosse. Les almebols. Almebols. L'eau des douches, là. Quand tu entres à la grande porte, à la grande portail de Dawar, à ta droite, il y a une fosse. Oui, je vois. Almebol de Dabas. C'est ça, l'almebol. Les eaux de pipi et autres qui donnent une mauvaise odeur, là. C'est ça même. Ici, en Djamena, quand on loue une maison, on a besoin de le nettoyer, de le rendre propre. Hein? Attends, on le travaille hein, pour le mettre au paro, c'est normal. Et ce que je suis venu te dire. Il y a quoi juste, monsieur? Ça va pas dans ta tête, là? Quoi? Pourquoi tu vas pas dire ça bien avant? Dans le contrat de location, je n'ai plus aucun passage qui remet cet aspect. À mon avis, quand on loue une maison, c'est au complet, avec l'eau, l'électricité et le WC. Et le bailleur, oui, le bailleur que vous êtes, a l'obligation de rendre disponible ces trois choses les plus absolues. Obligation? Bien sûr. Attends, mais quelle obligation? Obligation de quoi? Je ne te permets même pas de dire ça. Quelle obligation? La maison, c'est ma maison. J'écris ce que je veux. Et je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est moi, c'est ma propriété. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Non, non. C'est ma condition, je te dis, ma condition, c'est ma condition. Et c'est moi le propriétaire. J'écris ce que je veux. Tout ce qui est écrit dans le contrat, c'est moi qui ai écrit. Et je le manigance, je le manipule comme je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Oui? C'est simple, monsieur. J'ai fait combien de jours dans ta maison? Trois jours. Trois jours, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je vous ai avancé 2 mois de loyer. Oui. Je ne vais pas continuer à vivre dans cette merde. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, je te laisse cadeau le premier mois que j'ai déjà consommé 3 jours. Mais sache ceci. Je réclame le deuxième mois que je n'ai pas encore consommé. Donc, donne-moi mon argent. Je vais quitter ta maison. Voilà, tu m'as poussé de rire dans ma colère. Asme Kalamda a coûté bien. Quitter, c'est un bon mot. Écoutez, quitter, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est-à-dire, tu as bien lu le contrat et tu as vu le contrat. Et c'est toi qui m'as fait savoir que tu as lu le contrat. Surtout l'article, c'est dont toi-même tu as signé avec tes propres droits. Tout locataire qui décide librement, avec sa propre volonté et avec son gré, de quitter la maison, il n'a aucun droit de réclamer, même son dit, même si c'est un franc, il n'a pas le droit de réclamer. Même s'il a fait un jour, 24 heures que tu connais là, il n'a pas le droit. Mais il ne sait rien. Et si, par contre, s'il décide de quitter, voilà, il verse tous ses arriérés là. Tac, 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 tac. Il donne ses arriérés avant de quitter. S'il résiste, voilà, c'est là où j'interviens. Je confisque tout. Surtout les choses valeureuses. Je conserve la télévision, écran, bouteille de gaz, tapis, salon, je m'en fous. Tout ce que là, je confisque. Et attends, et pour te faire savoir encore, petite sœur, il n'y a même pas de force, il n'y a même pas de harcèlement, il n'y a même pas de goudre, il n'y a même pas de khawoufine, il n'y a même pas de regard. C'est simple comme bonjour. Si tu veux quitter, comme tu as dit, la porte est voilà là, grandement ouverte. Voilà. Si tu ne suis pas mes conditions, la porte est ouverte. Hey, ça c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais sachez que la justice est là, elle va s'en occuper. Justice n'a rien jeté ici. Justice a fait la fenêtre ici. Justice a mis la porte là. Justice a planté le papayer. Justice a construit une maison ici. Justice a mis une brique. Je m'en fous de justice. 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 En tant qu'Allah, il doit l'homme respecté, un croyant comme moi. Dieu a dit, hein, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Et c'est ce que tu as fait. Il n'a pas fini. Il utilise un homme qui vient te bénir. Et c'est toi la bénédiction maintenant.
Moi, c'est mon argent que je veux. Donne-moi l'argent. Je reste ici, je ne touche pas à tes ordres de caniveau là. J'ai fini mes 2 mois là ici, je ne touche à rien. Là, faut que tu le saches. Voilà. Il te reste 2 mois, non? À consommer, non? Consomme tes 2 mois là. Voilà, et tu consommes tes 2 mois là. Sans cabinet, sans douche. Douche commune, sans ça. 2 mois, tu ne vas pas être dans la bouche. C'est moi, c'est ma décision à moi. Et je vous. J'ai la clé, je vais fermer. Voilà. On va voir. Tam tu kavene bewen. Akhrmi ya gadam de kantam tour fi bout ko sa vous regarde. J'aime vous. Allah. Et je vais mettre même là devant la cabane. Je vais mettre briche. Allah ma. Ah. C'est comme ça qu'elle fait. Ouh! Je vais te montrer qui j'en suis. Bayen, tu as bien fait, Dieu te bénisse. Allah. Ouais. Elle ne roule pas. Hey, tu ne connais rien. Ah ah. Jeune fille, voilà, jeune garçon, voilà, mon arbre lève. Tu veux dire, il dit comme. J'ai amené beaucoup comme ça. Voilà, je vais parapé. Dis aux autres que je ne suis pas machin. Tu ne connais pas qui je suis. Toi, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas, moi, qui j'en suis. Voilà.